Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool au Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos des défis de la semaine 2. Et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de visiter un téléphone géant, un grand piano et un trophée géant de poisson dansant. Donc si cette vidéo t'est utile, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et surtout n'oublie pas le code SoirCoolMecYTB dans la boutique de Fortnite, ça me ferait extrêmement plaisir. Et c'est parti pour la vidéo, let's go. Alors le géant téléphone se trouve près de Fatal Field, donc juste ici où je vais mettre mon pointeur à côté. Côté gauche de Fatal Field sur la petite montagne, il y a un emplacement de premier téléphone géant. Maintenant, je vais vous montrer le deuxième emplacement du téléphone. Alors, le deuxième téléphone se trouve à côté de l'Asilagon et à côté du bloc. Donc, plus ou moins par ici sur la map où je mets mon petit pointeur. Alors, si jamais vous êtes plus près de ce téléphone-là, visitez directement ce téléphone-là. Ou si vous êtes plus près de l'autre, ben allez visiter l'autre. Maintenant, je vais vous montrer l'emplacement du grand piano. Alors l'emplacement du piano géant se trouve juste en dessous de Lonely Lodge, donc plus ou moins par ici sur la map, c'est à côté de l'ancien manoir des super-héros. Donc là il y a Lonely Lodge, c'est juste un petit peu plus bas au bord de la falaise. Alors pour le poisson géant, c'est assez marrant parce qu'en réalité le poisson géant se trouvait à Retiro sur l'enseigne des magasins. Et là en fait avec l'explosion du volcan, ça a explosé la ville de Retiro. Et en fait le poisson s'est retrouvé logé dans une maison, dans le toit d'une maison carrément, c'est assez hallucinant. Enfin c'est assez bien fait. Et l'emplacement de ce poisson géant dansant, c'est juste à côté de Megamall. Megamall, voilà, juste ici dans cette petite maison. Alors je pense que vous allez quand même devoir l'actionner. Je ne suis pas sûr parce qu'il est marqué visiter, donc c'est possible que vous ne devez pas l'actionner. Mais pour l'actionner vous devez juste faire une danse n'importe laquelle. Et voilà, il commencera à danser, c'est pour ça qu'il s'appelle le poisson dansant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas le code SoirCoolMecYTB dans la boutique de Fortnite, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoirCoolMec et ciao, peace.